La commune de Lavelanet, 6700 habitants, a été dirigée de 2001 à 2008 par Jean-Pierre Bel. Le maire actuel, Marc Sanchez, a bien connu le successeur annoncé de Gérard Larcher à la tête du Sénat. Il en dresse un portrait très élogieux. Je crois que c'est quelqu'un qui écoute les gens et qui surtout les entend. Et je crois qu'il fédère, encore une fois je le dis, c'est un mot important pour lui. Il discute avec tout le monde et je vois qu'au niveau local, il a su faire des choses que jamais personne n'avait encore réussi à faire sur ce territoire. Malgré une conjoncture économique difficile au cours de son mandat, Jean-Pierre Bel a également laissé un très bon souvenir à ses anciens administrés. Ça a été un très bon maire, mais il est tombé dans une mauvaise, dans un mauvais moment, au moment où tout le textile partait et fermé. Donc c'est pas facile à ce moment-là de faire progresser une ville. Même si la présidence du Sénat n'est pas encore assurée pour Jean-Pierre Bel, les habitants de l'Ariège accueillent déjà avec beaucoup de fierté la nouvelle exposition médiatique de leur sénateur. L'Ariège est peu connu, donc ça fera peut-être connaître un peu l'Ariège. On est fiers, hein, Ariégeois, terre courage, on est fiers. Le discret élu PS de l'Ariège va-t-il devenir le troisième personnage de l'État derrière le président et le Premier ministre ? Réponse samedi prochain.